Et salut à tous, on se retrouve sur la chaîne pour la suite du Let's Play consacré à U. Alors, on avait enfin récupéré la lumière, la couleur, pardon, violette. Et au début, donc la bleue. On se retrouve donc avec deux couleurs et on va pouvoir continuer à explorer les différents tableaux. Non, ça, il n'y a pas de dégâts de chute. Did you know, Hugh, that purple is at the very end of the visible spectrum? It's the Ah bon? hardest color for our eyes to distinguish. Ah, Now, je sais pas. imagine a shade one step further than purple, a color beyond what we can actually perceive. We call these impossible colors. And I fear that this is where I currently reside. If reality is rooted in our perception, and you cannot perceive me, do I even exist to you? Dans un monde de I'm sure couleurs that I do. invisibles, I ça va être mean, compliqué, quoi. you're reading this letter, Pour la trouver. or at least I hope you are. I'm sorry, but existing in this strange state of impermanence does funny things to you, Hugh. It makes you question what is real. J'aime bien quand il manque le personnage. On dirait un animal là, qui grimpe sur un mur un peu. Waouh, si encore que je... Bon, encore ça va, vu qu'il y a un moment où on arrive à suspendre dans les airs, ça va quoi. On se retrouve à nouveau. Vraiment bizarre lui. Hein. Je pense que c'est lui qui détient la clé de l'endroit où doit se trouver notre mère, je pense. Ça y est, on a déjà acquis une nouvelle couleur. Oh, c'est rapide. Orange.
Voilà, ben du coup, ça sera tout donc pour cet épisode. Voilà, bon, on n'a pas non plus trop galéré. J'ai tout fait en first try, je suis pas mort une seule fois. Pas tombé ni quoi que ce soit. Voilà, dans l'ensemble, c'est pas non plus très compliqué. Il suffit de switcher entre les couleurs. Bon, là, je pense qu'au fur et à mesure qu'on va obtenir des couleurs, je pense que le jeu va se corser. Parce que s'il va falloir switcher entre les différentes couleurs avec la palette, en devant sauter dans les airs, tout en faisant suspendre le temps et tout ça, ça risque d'être un peu plus compliqué. Voilà. J'espère en tout cas que vous aurez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, ben, comme d'habitude, laissez un petit pouce. N'hésitez pas à laisser également des commentaires. J'y répondrai dans tous les cas, aussi bien sur le jeu ou sur d'autres jeux, par exemple, que vous voudriez que je teste ou que je fasse. Voilà, tout en sachant que je fais généralement donc des jeux de PS4 ou PS5. Et je vous dis donc à la prochaine sur la chaîne pour ce petit jeu du nom de U. Voilà, ciao ciao!